Bonjour YouTube, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode spécial sur la démo de Pokémon Soleil et Lune. Alors vous l'aurez très certainement vu sur d'autres chaînes YouTube avant moi. Mais voilà, au moins ce sera fait. Donc cette vidéo sera spéciale aussi dans le sens où je ne vais pas faire de montage, je ne vais pas faire de coupure. Vous allez avoir la rediff brute du live, donc il n'y aura pas d'intro, il n'y aura pas d'outro, il n'y aura rien du tout. Voilà, donc si la vidéo, je ne sais pas combien de temps elle va durer, 40, 45 minutes, 1 heure, 1 heure et demie, j'en sais rien du tout. Ce sera en un bloc, j'espère que ça vous ira quand même. Et les amis, voilà, ça sera pour vous donner un aperçu de tout ça, puis au moins vous verrez un petit peu l'ambiance en live, ce que ça donne vraiment sans coupure et sans, sans petit montage derrière. Voilà, voilà. Donc, au niveau du chat, Jellycaster, on pourra parler des 4 attaques trouvées ou pas. Non. Non, non, on n'en parlera pas. Salut tout le monde, salut Shadow, bonsoir à toi mec. Bonsoir à toi, on va lancer. Voilà, voilà. Salut, je l'ai fini, no spoil. Ok, pas de soucis. Et salut le Pilomi, bonsoir à toi. Ah, c'est parti. C'est parti! C'est sur cette scène là. Oh! Ah, Pokémon de Soleil et Lune! C'est pas beau l'affichage. C'est moi, c'est ma console, c'est. C'est pas beau. Bel écran noir. Quel écran noir? Moi ça fonctionne nickel, hein. Ça drop pas de mon côté, j'espère que pour vous aussi. A priori c'est bon, j'ai le retour, ça fonctionne. Alors, j'ai pas du tout joué, comme vous voyez, je viens d'ouvrir le cadeau, donc j'avais vraiment pas ouvert du tout l'application. On va voir ce que ça dit. Pour l'instant j'ai pas d'image, c'est terrible. Ça y est, j'ai eu un peu peur. Ah, je vous avoue, j'ai eu un peu peur. Ah, les gars, il est ressorti de la balle et juste après. Ah, oui, oui, Shadow, le pauvre Shadow qui n'a pas eu son Latios Shiny et qui a fui le combat. Pauvre, pauvre de toi. Alors, donc il y a toutes les langues évidemment. J'essaie de mettre le son à fond de la console. Vous me direz si c'est suffisamment fort, autrement je lèverai le son. Attendez, quand tu marches, elle est jouissif. Ah, je pourrais pas mettre la 3D malheureusement en live, sinon l'écran va être décalé en fait. Pour vous. Voilà. On va aller en français, comment c'est, évidemment. Et c'est parti. J'espère que le son est assez fort, je vais peut-être monter un tout petit peu le son de la console, légèrement. Ah! Ah, je kiffe déjà. Ça se voit. Et bonne chance à ceux qui chassent en même temps, évidemment. La bonne vieille bottelette complètement rouillée. Cher Sun, si tu lis cette lettre, ça veut dire que tu es arrivé à Lola. J'espère que le déménagement s'est bien passé. Comment va l'amphinobi que je t'ai confié? Ça ne se voit peut-être pas, mais sache qu'il adore la chaleur. Bon, je compte donc sur toi pour le faire participer à d'ardents combats à Lola. Oh, petit jeu de mots d'entrée. La lettre n'est pas signée, et le nom de l'expéditeur n'est pas écrit non plus. Un oubli peut-être? Certainement! Sans l'activer. Ben ça, la 3D du jeu, je la testerai plutôt sur ma new 3DS. Pour vous tout... enfin, je regarderai quand même rapidement pour dire un petit peu au niveau de la vidéo, de la VOD, comment c'est. Mais voilà. Sean, mon chéri, on doit aller déclarer notre changement de résidence à la mairie. Oh pff, oh pff, la paperasse. C'en est assez la paperasse. Oh, ah j'aime bien le... ça là, le petit... Ah, un petit crayon. Eh, y'a un Slurpuff, l'enseigne. C'est un Slurpuff. C'est trop mignon. Ah, ça a l'air grave cool, les gars. Quand même, je gueule. Ça a l'air grave cool. Petit magasin, on... Il paraît qu'à Alola, on se salue en disant Alola. Attends, maman va essayer. Alola. Je viens de déclarer un changement de résidence. Allô là. Alors comme ça, vous arrivez de Kanto? Je m'occupe des formalités. Veuillez patienter un instant. Très bien. Très bien, merci beaucoup. Eh bien. Eh bien, nous n'avons plus qu'à attendre ici patiemment. Petit magasin, c'est une mairie. Ça ressemble à un magasin. Oh, 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 oh. Je peux plus me déplacer avec la petite croix. Je crois que ça avait été déjà vu. Ok. C'est très étrange. Enfin, ouais, c'est étrange. Pichot, on serait prêt à se faire asperger toutes les capacités. Oh. Ça commence bien. Ah, mais je voulais pas partir. Mais... Non mais allô là.
Ce jeu est magnifique, j'ai trouvé. Bah pour l'instant c'est grave beau. Hé hey, toi, tu t'appelles Sun, pas vrai? Ouais, enchanté. Beau gosse. Moi c'est Tilly, enchanté. Cette chance que papé m'ait demandé de passer à la mairie. Ça me permet de te rencontrer. Full social, d'habitude t'es en mode laisse-moi tranquille. Alors mon poussin, je vois que tu te fais déjà des amis. Oh ah là là là. Vous êtes la maman de Sun, moi c'est Tilly, enchanté. Lol. Allô là, toi, mon petit Tilly. Eh oui. Pourquoi n'allez-vous pas faire un petit tour en ville pendant que j'attends ici? Oh ouais, allons-y, allons-y. Sun, je vais te montrer tous les trucs chouettes du coin. Ouais. Allez, salut hein. Salut. Amuse-toi bien, chérie, ouais, c'est ça, allez. Salut la vieille. Allez. Peut-on courir? Ah, on peut courir, ok. Vous entendez ce bruit? C'est étrange. Alors, dans le sac, nous avons... Ah, nous avons déjà un amphinobid, ok. Je pensais... Ok. Je pensais qu'il faudrait récupérer. Donc, on a effectivement ici la boîte CT, vous voyez là-haut. Enfin, là-bas, en fait. La boîte CT, ce qui veut bien dire qu'a priori, les CS n'existeront plus. Donc, on verra ça par la suite. Objet rare, fourre-tout. Ok, ça, c'est un nouveau truc, ça. Ok, ok. Voyons, voyons, voyons. Animation sur 20. Oui, mais tellement. Salut Holo, salut le com, bonsoir à toi. J'espère que tu vas bien mec, merci de rejoindre le live. J'espère que j'ai loupé personne entre les deux, excusez-moi les amis. Je vais être un petit peu concentré sur ça. Donc si je loupe quelques messages du chat ce soir, je m'en excuse. Alors, Amphinobi. Amphinobi, Amphinobi, Shuriken. Shuriken SP. Shuriken c'était physique. C'était physique hein. Attaque l'ennemi avec des shurikens de Bucus. Frappe en priorité, 2 à 5 fois. Repiqué, reflet. Étrange nuit, ok. Et alors ça je l'ai vu, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est pas moi qui l'ai deviné. Le numéro ID c'est 13-10-2017. Et a priori ça fait référence à la date où Sacha a capturé Grenous dans l'animé. Il est hardy, donc c'est dégueulasse. Très bien, provenance Kalos. Ok, mais il a quand même la petite croix là-bas en bas. Ok, très bien. Et quand on clique sur Y ici, on peut voir les IV. On peut voir les IV du Pokémon. Ok. Ok, très bien. En jaune, j'imagine. Ça, c'est ce que j'ai vu. Shuriken était physique. Ok, donc c'est pas CSP. Pour tout, il n'y avait pas déjà dans Blood 2, voire 2. Aucune idée. Coucou, salut Nina. Bon anniversaire à toi, Nina, évidemment. Joyeux anniversaire. Bon, je te l'ai déjà chanté hier soir, mais... Joyeux anniversaire, évidemment. Attends, vise un peu là-bas. Il a pas l'air d'être du coin, lui. Ah, déjà. Oh ce cousin! Oh t'es pas dans l'eau là toi! Je parie que t'as des Pokémon rares sur ton casquette wesh! Oh non! Ah c'est la Team Skull! Fais gaffe! C'est rien que des sales voleurs de Pokémon! Oh qui tu traites de sale là wesh! T'as un problème avec ton sap wesh! On est juste curieux c'est tout! Ah Konomi Star Salive! Allez mieux raboule les Pokémon avec sa sorte wesh! Non! On vous les donnera jamais, les Pokémon c'est comme des amis pour nous. Ah tu le prends comme ça wesh. Eh ben je vais le prendre par la force. Sun, t'as un Pokémon avec toi hein. Alors prépare-toi au combat. Bon bah c'est parti hein. Le gars qui se faisait aggro par des buffs. Le mot t'as loupé le talent de... Ah non non le talent je sais. Oh oh. Nice. Nice le. Nice. Je vais me mettre un peu plus fort. Après le truc c'est que je vais gueuler si je mets plus fort. Bonne nuit à toi Nina. Ok donc on a vu qu'ils avaient des bols différentes aussi. Ah c'est étrange, c'est vraiment étrange. C'est bizarre. Puis on va le voir derrière du coup en mode comme ça quoi. Tout le temps. C'est génial, ok. Donc si je clique sur le Pokémon, qu'est-ce que ça fait? Ok donc on voit les stats, ok. On l'avait vu. Enfin on voit les augmentations, diminutions de stats. L'équipe, ok donc ça c'est du basique. Le sac. Les 4 poches, ok, basique. C'est quand même grave stylé, hein. C'est grave où les petites caméras sont bien foutues. Ok, et donc là on a les 4 attaques. On va quoi? On va tranche nu? C'est stabé? La musique est grave cool, hein. Ah, l'animation de tranche nuit. Oh, c'est au chaos, quoi. Oh là là.
Ce Team Skull a presque autant de classe que la Team Rocket dans Pokémon Génération. Oh la gueule. Il s'est passé quoi là? Faut que je prenne un screen de ça les amis. Je prends un screen très rapide de ça, parce qu'on n'oublie pas qu'on est sur YouTube. Parfait, c'est parfait. Vite! Voilà. Et c'est reparti les amis. Pour l'instant je suis grave content de la qualité, enfin de l'image, vraiment, enfin c'est vraiment beau. 800 Pokédollars, parfait. Ça serait bien qu'on voit le dresseur derrière son Pokédollar. Tellement. T'as 11 niveaux de plus que lui, oui bah oui. Non mais ce oracle, ouais, j'y crois pas, c'est qui ce mioche, wesh? Non mais laisse béton, vous deux, vous perdez rien pour attendre, wesh. Bah vous cassez là, tu... On est peut-être pas... Oh la musique, yeah, derrière. On est peut-être pas à la hauteur, mais la sister, elle vous loupera pas, wesh. Je me sens obligé de caler des wesh à la fin de chaque phrase, je suis désolé. Ah, t'as vu comment ils ont des YRP, lol. Quand on s'allie à nos Pokémon, rien ne nous fait peur. Je tapais une barre dans sa gueule, tellement. Et ton Pokémon là, Amphinobi, franchement, il a trop la classe. Allez, suis-moi, je vais t'emmener au centre Pokémon. Bah ouais, faut aussi penser à soigner ses Pokémon. Eh ben, allons-y. Lol. En tout cas, holo Oscar pour la meilleure interprétation de Kyra de tous les temps. Bah ouais. Et oui, 25 ans de d'expérience. Je suis une vraie carrière. Donc pour ceux qui disaient dans le chat, oui, non, j'ai vu le talent de Amphinobi, hein, évidemment, ici, donc j'ai pas cliqué. Ok, par contre, j'avais pas vu ça, donc merci de l'avoir dit rien que pour ça. En battant un ennemi, ce Pokémon renforce ses liens avec son dresseur. Il prend alors sa forme Sacha. Ses Shuriken gagnent en puissance. Ok. Ok. Intéressant. C'est intéressant qu'il y a un menu comme ça. On voit aussi l'expérience là-haut. Je crois qu'on le voit aussi en combat maintenant. Rencontré par la force au niveau 5. Le 17-10-2013, donc c'est bien ça. C'est bien ça, ça fait bien référence à la date où Sacha l'a capturé. Hardin nature, oui, la nature est dégueulasse. Hein. Putain, un bof racaille dans un autre monde. Ah oui, dans une autre galaxie. Bon, on va se dépêcher quand même parce qu'apparemment il y a pas mal de trucs à faire dans cette. Bienvenue à Ekaika. Ok. Salut. Ok. Écoutez. Bon, je fais quand même le tour de la. Pourquoi elle a pu passer? Moi je me prends le mur. C'est terrible, vous l'avez vu comme moi. Bon, on va pas, je pense qu'on va visiter tout de toute façon à terme, donc on va aller là-bas. Ok, je suis bouffé le mur, faut appuyer sur A maintenant. Très bien. Maman! Ah, c'est pas elle. Mince, j'ai confondu ma propre mère. C'est elle! Amuse-toi bien, mon chéri! Ah, mais non, il faut aller au centre Pokémon. La même fois, c'est la tour et lock. Ouais, regarde donc, et si elle l'est pas, je la recetterai sur ma deuxième console de toute façon, donc c'est pas trop grave pour celle-ci, je m'en fiche un peu. Marie, autre mignon, c'est ma plus grande fierté, ouais. Autant crier, je dirais. Donc le centre Pokémon, on a vu qu'il était par là. Ok, c'est ça. Hé, hey, Sen! Le centre Pokémon, c'est par ici! J'arrive. Synergie me fait beaucoup penser. Me fait penser qu'aucun autre Pokémon aura ce talent. Oh oui, non, mais oui, ça va être un talent uniquement pour cet Amphinobi. Ah, putain, je me bouffe les portes. Elle suit les IV sur Lock. Ok, elle est Lock. Ok. Comme ça, j'ai pas besoin de resetter, c'est très bien. Ne vous inquiétez pas, il y aura un moyen de l'avoir autrement, je pense. Pour soigner tes Pokémon, c'est tout simple. Parle à l'infirmière à la réception, c'est grave beau. Bonsoir. Tu peux aussi utiliser... La musique est sympa. Ah, je drop. Ah, je drop de fou, je suis désolé les amis. Oh, par contre, si j'ai une coupure de live, ça va être terrible. Si j'ai une coupure de live, je vais être obligé de faire un montage YouTube, ça va être terrible. Tu peux aussi utiliser des potions sinon. D'ailleurs, tiens, je te donne une super potion, c'est encore mieux. Ah oui, gentil. Achou, je me suis fait agresser. Achou. Super potion, ok. Ah là là, j'ai encore tellement de coins super à te montrer. Je sais pas par où commencer. Ok. J'espère que le layout vous plaît, les amis. Au fait, hein. J'espère. Je voulais voir à ce qui paraît les super potions soignent plus de dégâts. Oui, elles soignent 60 PV maintenant au lieu de 50 avant. Ok. Alors, X c'est pour classer. Ok. Ok. Je suis habitué encore à X pour fermer tout le menu. Ah, c'est vrai qu'on peut plus se déplacer avec les flèches. Entraîne bien tes Pokémon, tu pourras aller jusqu'au bout du monde. On va faire ça. Alors là, bienvenue au centre Pokémon. Où nous soignons les Pokémon, évidemment. Voulez-vous que nous nous occupions de votre Pokémon? Oui. Très bien, confiez-moi votre Pokémon un instant. Oui. Allô, salut Jupitol, bonsoir à toi, mec. Ah, puis c'est plus court. Merci d'avoir attendu, votre Pokémon a retrouvé la santé. A bientôt, bah, salut. Je sais plus la répartition d'IV, je sais que c'est 31 ou 20, je sais plus où sont les 31. Si j'ai bien vu tout à l'heure, c'est 31 attaque, attaque SP et vitesse, si j'ai bien vu.
Je ne reste pas, je veux pas me faire spoil. Toi de voir. En centre Pokémon, n'importe qui peut faire soigner ses Pokémon, ok. Et toi tu vends. La boutique est fermée. C'est quoi tout ce qu'il y a derrière toi, mec? Menteur. Menteur. Ok, petite table ici, pour... au cas où. Hein. J'aime bien l'ambiance, c'est sympa. Par contre, c'est assez chelou en fait. Voilà ça, quand on se retourne en fait. Il y a un petit moment de latence. Petit magazine. Allez. Ah là là, j'ai encore tellement de coins super à te montrer. Oui, ok. Et toi? Le patron m'a chargé de tenir le café pendant qu'il est en voyage pour récolter les meilleurs ingrédients du monde. Je pense qu'il sera de retour dans un mois. Reviens à ce moment-là. Un mois? C'est terrible. Mais je fais quoi du coup? Je pars? Non, si le motif pas Dex et l'appareil photo, ça bougera avec la console. Alors là. Ah! Le fameux. Tiens, Timmy, de la compagnie. Oh, c'est le professeur Farb! Je vous présente Sen! Il arrive de Kanto, il vient juste emménager ici. Sur la démo, pas mal, j'aime bien. Oh non, mais elle est cool! Pour l'instant, elle est cool! Ça alors, c'est épatant! Oh, c'est épatant! Oui, ça bouge avec la console. Nice! Salut Sen! Moi, c'est Farb! Content de faire ta connaissance, man! J'aurais dû faire une voix de Rastaman. On fera peut-être ça dans un let's play éventuellement. Je vais pas me prendre la tête ce soir. Le professeur Farb étudie les capacités de Pokémon. Trop classe, non? Ha! Tu l'as dit, mon petit! Je teste toutes les capacités sur moi, ça me permet d'évaluer leur puissance. T'as le gars, quoi. Professeur, faut trop que vous entraîniez Sun. Bah alors, quelle statistique de pique, Tilly? Christophe est définitivement dans le développement de ce jeu. Hein. Définitivement. On s'est fait attaquer par la Team Skull tout à l'heure, on a eu chaud. Je l'ai défoncé. Je suis désappointé de ne pas pouvoir m'asseoir. Ah, mais j'ai pas testé. L'air du protagoniste à un miaou. Oui, ça on avait vu. Tu peux activer la gyroscopie. Heureusement, parce que sinon en live, vous imaginez les gars. Terrible. Je vois. S'ils reviennent, je ne donne pas cher de votre peau. Dans ce cas, ça te dirait de passer une épreuve? Carrément. Oh oh. Quelle fougue. Tu fonces dans le tas, corps perdu comme un maconnier. J'aime ça. Mais attends, au moins que je t'explique de quoi il s'agit. Fais un peu le beau gosse, hein. Les épreuves sont une coutume d'Alola qui permet aux jeunes garçons et filles de renforcer leur lien avec leur Pokémon pour devenir des dresseurs hors pair. Quand tu seras prêt, rejoins-moi la colline d'Ikara. Je vais te préparer une épreuve aux petits oignons. Ok. Ah. Pour Tyran, on demande à notre bon ami qui nous fait signe là-bas. Le gars, il est payé à rien foutre. Ouais, je suis sûr qu'Amphinobi et toi êtes de taille pour l'épreuve. Quand t'auras fini, reviens me voir. J'ai encore plein d'endroits bien cool à te montrer, wesh. Ah non, c'est pas lui, wesh. Fort heureusement, ce n'est pas de moi qu'il s'agit. Alors, on va avancer parce que beaucoup de parlotes et à mon avis, ça va durer un petit moment. Bonjour. Bon, là, la colline d'Ikara demande au type qui se prend pour un marre là-bas. Boum. Quand on aura fini, on revient, ouais. Ok, on a compris. Salut. Bonjour. Oh, ouais, moustillon. Moustillon, pas mal. Tu mets les voiles vers la colline d'Ikara. En avant toute. J'aime ça, on hisse la grande voile. J'ai pas compris. Et salut Miyazaki. Colline d'Ikara. C'est pas mal, c'est stylé. Ok. C'est beau. Bon, je vais faire pas mal le tour des zones pour voir un petit peu comment tout. On pourra passer par ici par la suite, j'imagine. Attention man, des Pokémon sauvages se cachent dans les hautes herbes. Mais pas de panique, comme tu es un dresseur, tu peux les affronter avec ton Amphinobi. Eh, on va casser la gueule. Salut, tu l'as vu mec, il est trop bien, j'ai fait toute la démo, je kiffe trop. Attends de l'avoir en entier. Ah bah oui, oui. Bah là on le fait, hein. Encore une fois, aucun spoil dans le chat, évidemment, aucun leak de ce qui s'est passé aujourd'hui. Ne dites rien les amis, voilà. Respectons les personnes qui ne veulent pas savoir. Et si tu préfères éviter les combats, fais un détour pour ne pas traverser les hautes herbes, quand c'est possible. Tranquille. Les musiques sont grave cool. La qualité en fait des musiques est vraiment cool. Allez, je t'attends à la colline d'Ikara, à toutes. Enfin, genre, il y a des... Enfin, c'est con ce que je veux dire, mais il y a des basses dans la musique, enfin, c'est... Il n'y en avait pas, en fait, dans les jeux précédents. Allez, c'est parti. Bon, je pense pas qu'il y ait de nouveaux Pokémon, on aurait été au courant. Ok, c'est pas mal. Pas mal. Ok, un petit Pikachu. Ah, toi, tu ne spoil pas, alors je te spoil pas, t'inquiète. Ah bah oui, non, on se respecte tous. Ok. Ok, l'entrée en combat se fait bien, je trouve. On va prendre de l'XP, on va Shuriken. Il est normal vol lui hein. Ouais. Oh là 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 là. Je suis tenté par Soleil mais je préfère certains Pokémon de Moon. Ah bah oui, mais fais comme moi, prends les deux.
Ça repasse aujourd'hui, geste Jedi. Allez, avançons. Les musiques sont grave stylées. Bonjour. Le lieu où se déroule l'épreuve du professeur Euphorb grouille les Pokémon de type dragon. Mais ce sont de gros foussards, il faut les chercher pour les apercevoir. Ok. Les musiques sont grave stylées. Je kiffe les musiques. Allez. Oh petit Rokomo. Petit Rokomo. Ah oui, il y a des jeux de mots incroyables, tu vas voir. Ah oui, non, mais j'en ai déjà vu pas mal. Je suis déçu que Christophe soit pas encore arrivé parce que ça méritait le détour. Alors, les musiques sont grave cool. Faut dire ce qui est. L'animation sur la barre aussi, quand c'est super efficace, est bien, bien stylé. C'est les détails, hein. Mais de toute façon, on est là pour les détails. Ok. On va continuer d'avancer. Elle, c'est celle qu'on voyait dans les vidéos. Petit bruit de l'eau. Elle. Quand deux dresseurs se croisent du regard, le combat a déjà commencé. Ok, donc faut aller là-bas a priori. Oh là, lui il est trop chaud. Lui il est trop chaud, les gars. C'est. Comment il s'appelle le Dylan. Elle se bat pas, elle. Ah, je pensais qu'elle se battait. Ok. Tant pour moi. Du coup, par là, il n'y a rien du tout. Faut que j'arrête de faire des détours pour rien. J'aurais pu passer là-bas, j'imagine, mais on va faire le combat. Parce qu'il y a une animation. Ouais, ok. Et la musique descend aussi d'un cran. Ah, c'est grave stylé. Wow, ok. Et toi, t'as un Pokémon, hein? Alors viens te battre! Ok! Nice! Tom le gamin! Tom! Ok. Non, les animations sont grave stylées, les amis. Hein. Y a pas à dire. Je vais essayer de me mettre un peu là. Ah, y'a pas de 3D en combat! Ah, y'a pas de 3D en combat! RTS, c'est triste. Après, la qualité sur la 3DS est vraiment cool. Je pense qu'à l'image aussi, un peu moins, puisque c'est plus grand. Donc ok, là on voit, là au-dessus de ma tête, on voit super efficace, pas très efficace, efficace et quand c'est une attaque de statue, rien. Ok. Ok, ok, j'avais pas vu, ça l'avait fait sûrement pour le combat d'avant, mais je l'avais pas vu. Ok, oh là là. Tu sais que je suis une meuf. Ah bah je savais pas du tout, Blazer. Qu'en veux-tu que je sache? Que la 3D dans le Pokémon Snap Mode. Ok. C'est marrant ça, j'ai perdu. Ah non, c'est pas marrant du tout. 560... Donne-moi ton argent, gamin. Et va pleurer ta mère. Ok. On va continuer du coup. J'imagine qu'ici ça sert à rien de rencontrer des Pokémon. Ça, j'imagine que c'est les sauts en fait qu'on peut faire de... Des petits sauts qu'on peut faire. Le shuriken de Satoshi Kekuga. Soon. Colline d'Ikara. Nous y sommes. Non, c'est grave stylé, franchement. Je le dis encore, mais c'est grave stylé. Ah, te voilà enfin. Laisse-moi te faire un topo sur l'épreuve. Après, je bois un coup parce que j'ai ultra soif. 4. Ah oui, genre... 4. Et... C'est le nombre de bébés cailles et des caïds que tu vas devoir retrouver. Mon épreuve consiste à tous les prendre en photo. Ok. Pour ça, j'utilise donc ce Pokéscope. Vous avez reçu le Pokéscope. Avec ça, tu vas pouvoir tirer le portrait des Pokémon du coin. Allez. Ah voilà. Mon Pikachu est super balèze. Tu peux compter sur lui. Il va former une équipe du tonnerre avec Amphinobi. Pikachu a l'air de vouloir vous donner un coup de patte. Commence par chercher Bébé Kai, il doit se cacher dans le coin. Eh ben, cherchons Bébé Kai. Par contre, on va regarder... Début de l'épreuve. Ok. Ah, je peux pas regarder mes Pokémon. Ah si, je peux. Je suis tellement habitué à ce qu'il y a un menu en bas. On va regarder vite fait le Pikachu. Je suis un gars. Ah mais voilà, j'en sais rien, mon ami. Ok, donc le cri a été refait. Il est mieux, il est mieux. Tonnerre que de fer, ce poulet à surgissement. Ok. Est-ce que Pikachu a une balle lumière? Évidemment que non. Je sais pas où se mettrait l'objet en dessous du talent, j'imagine. Genre là, au-dessus de ma tête, là, ici. J'imagine. Ok. Apparemment, il est full vitesse. Je peux pas aller voir. Apparemment, il est full vitesse. Donc, il doit être aussi, lui, naïf. Il est naïf. Naïf, ça booste quoi? On peut pas voir, ça? Est-ce que ça booste? Quand on le sait pas. C'est pas écrit, ou alors je le vois pas. Je peux tirer le portrait, parce que je préfère leur refaire le portrait, si ça te dérange pas. Allez.
On va avancer. Pikachu type électrique formé du type du tonnerre. Ah oui, oui, j'avais pas vu celle-là. Voulez-vous sortir Pokéscope? Bah oui. Timotismadex. Trop mignon! Tu peux changer l'angle de l'appareil photo avec le pad circulaire. En faisant pour observer les alentours sous plein d'angles différents. Ensuite, il suffit d'appuyer sur le bouton R ou le bouton A au bon moment. C'est dans la boîte. Puis tu peux prendre entre 1 et 6 photos chaque fois que tu utilises le Pokéscope. Genre si je voulais. Ouais, ok. Très bien. Voilà, c'est mieux. Ah mince, y'a pas de zoom. Mais c'est la folle, il vous attaque. Ah genre tu prends une photo, ouais, pas paradis quoi. Parce que tu fous le vitesse, attention Nintendo, c'est pas la stratégie. Le bébé Kai. Tellement mignon ce bébé Kai. Tellement mignon. Amphinobi. Ok. Haute balle lumière, mais autre chose, je m'en dis pas plus. Chut. Chut. Tranche nuit, c'est stabé. Ah. Qu'est-ce que la gueule. C'est bon. Oh c'est bon. Ok, déjà 30 minutes les amis. Pfff, ça passe tellement vite. Et on a fait tellement peu en une demi-heure. T'as déjà pris en photo, tranquille. Au fait, désolé, j'ai oublié de te prévenir. Ici les Pokémon sont sensibles au flash, ça les affole. Et ils se mettent à attaquer. En plus, ils sont type dragon, ces petits lascars sont coriaces. Mais bon, avec Amphinobi et Pikachu à tes côtés, t'as rien à craindre. Il te reste encore 3 Pokémon à prendre en photo. Continue comme ça. Mon droit à l'image, salaud, j'ai rien signé, enfin. C'est tellement ça. Ok, bon. La difficulté, voilà. C'est encore un bébé Kai du coup. Oui. Je vais te coller un procès. Y'a rien. Ah. C'était caché. Ah bonne vanne. Kill him with fire. Ok il m'attaque. Je sais pas à quoi vont servir les clichés en fait. Ah par contre les amis, j'ai vu une info là juste avant le live. La shiny rate dans Pokémon Sun Moon a été baissée les amis, enfin a été augmentée, ça dépend comment vous voyez les choses. Et a priori elle est à 1 sur 1084 si j'ai bien vu tout à l'heure. Je me souviens plus, je vais regarder. Alors je sais pas si c'était une vanne ou si c'était une vraie info. Mais voilà, a priori la chance de voir des shiny a été multipliée par 3, 4. On verra si c'est véridique. Voilà, moi c'est ce que j'ai vu tout à l'heure. Efficace, efficace, pas très efficace, ok. Voilà, ça dégage. Les combats sont pas très compliqués, on va dire. Alors, je sais pas si c'était un troll pour la shiny rate, on verra. C'est vrai que sans savoir si c'était un vrai truc, j'aurais peut-être pas dû en parler. On voit qu'on peut passer là-haut. Ouais, on va peut-être devoir passer là-haut. Ici, y'a rien. Ok, on va revenir sur nos pas. Tiens. Ouais, mais du coup, je pense que si vraiment c'est ces statistiques-là pour voir un shiny, le charme chroma, soit le charme chroma n'existera plus, soit le Masuda sera nerfé. Mais 1 sur 1024, voilà, c'est ça, 1 sur 1024, autant pour moi. C'est Armand qui a dit ça, oui, c'est Armand qui a dit ça, mais je sais pas si c'est véridique ou pas en fait. On verra. Et salut Sacha, bonsoir. Il passe tellement vite. Il m'a vu. Quelle est sa folle, il vous attaque. Très bien. Bon, bonsoir Sacha, bonsoir à toi. N'hésite pas à cliquer sur le bouton suivre qui se trouve là-bas en haut. C'est ce que tu vas te plaire. Ok, et Kaïd. Oui, c'est Armand qui a dit ça. Ouais. On a parlé juste avant que je commence mon live. Ok, très bien. Alors j'imagine que Tranche Nu maintenant va plus au chaos, sinon ce serait trop simple. Ouais. Ah oui, les combats, c'est vrai, les combats. Autant pour moi. J'ai même pas regardé les instructions. Comme quoi. Mais comment ça se fait que c'est. Là par exemple, comment ça se fait que c'est pas noté super efficace sur Aéropiqué par exemple? Ah, c'est parce qu'on l'a pas encore vu. C'est pour ça. C'est pour ça. Ok, merci à toi Sacha. Je ne me souvenais plus. Ok, donc ça c'est fait. Ok, la première fois qu'on rencontre les Pokémon, on n'a pas les indications, ce qui est logique. Les quoi? Bah oui, les combats. Et Kaïd. Ok. Ouais, donc c'est bien ça. C'est bien ce qui me semblait. Pour continuer notre chemin par ici. Oh, nice. On arrive dans un bel endroit. Avec du vent, vraisemblablement.
Vous ressentez la présence d'un Pokémon? Oui. Je crois qu'il va falloir prendre une photo. Et genre en plein jour, il voit le flash. Oh là. Puis ouais. Puis moi, le gars il reste comme ça. Il y a un truc de 2 mètres qui lui court dessus. Mais... Un dinosaure de 2 mètres. Les cailles dominants vont se battre. Ok, dominant. Ah oui, donc grave vénère. Hé hey. Merci, Tutoman. Merci à toi. Ah, j'espère que ça va pas flag mon YouTube. Ok, on va faire un aéropiqué. On va faire ça. On va faire un aéropiqué. Ok, l'animation est stylée. Allègement. Ok. Ouais. Appel du renfort. Oh, ah, ok. C'est pour ça. Et pour le Dex, oui, moi je me suis spoilé le Dex parce que je préférais le voir par moi-même que de me le faire spoiler sur Facebook et Twitter. Et de toute façon, pour Millennium, je suis bien obligé de travailler avec ça. Donc. Et si je tue le Ekaïd en premier, en fait, ça fait quoi? Est-ce que je suis obligé de battre le Rokabo derrière ou pas? Au moins, on a l'info. On en parle pas ici, oui, surtout on n'en parle pas ici. Hein. Ah, ok, c'est là qu'on voit la synergie. Ok. Nice. Ça, Shalomi. Niveau 36. Niveau 37, pardon. Ok. Plus 1, plus 4, plus 1, plus 4. Ok, c'est bien foutu, je trouve. C'est mieux foutu qu'avant où il y avait les deux écrans. Voilà, là, on voit ça s'additionne directement. C'est mieux. Enfin, c'est mieux. C'est plus stylé. Ok, on va voir Shuriken ici. Shuriken, est-ce qu'on peut voir combien de dégâts? 15, attaque ennemi, Q sera propriété. Ok, donc à mon avis, ça s'actualise pas quand on est en forme synergie. Et on va faire ça sur Rokabo. Oui, les dégâts sont réels. Hein. Sacha, pas de spoil! Je vais te Théo 3 secondes pour dire que ton message s'enlève du chat. Pas de spoil ce soir les amis. Tu pourras le garder pour la version non démo du jeu. Oui ça je sais Tutoman. Ça je sais, merci à toi. Les dégâts sont multipliés par 2, d'accord. Bon c'est quand même pas la folie. Enfin si 2 à 5 fois ça peut faire très mal. T'as battu le Pokémon dominant, alors là je te tire ma casquette. Et en plus tu l'as pris en photo. Bravo man, ça te fait 4 Pokémon dans la boîte. Tu as donc réussi l'épreuve, respect. Pour te récompenser, je t'offre ce bracelet Z. Eh bah ben, parfait. Portez fièrement votre bracelet Z. Et c'est pas tout, je te passe aussi un Crystal Z. Et salut Christophe, bonsoir à toi mec. Merci de rejoindre le live photo. Ah t'as loupé Masvan, hein. Volta Zélite. Ok donc pour Pikachu du coup. Avec ce bracelet Z, ce cristal Z, tu vas pouvoir réveiller des capacités Pokémon complètement démentes. On les appelle, tiens-toi bien, des capacités Z. Hey Sun. Hey Sun. L'animation du soin des Poké est vraiment stylée. Ah, j'ai pas vu. Dans les temps de Pokémon, tu veux dire? Wouah, bracelet Z, t'as réussi l'épreuve alors? Pour la classe. Malheureusement, c'est pas fini, on a de la compagnie. Team Skull qui va se ramener. Ouais, évidemment. Évidemment, pas de soucis Sacha, t'inquiète, je veux juste que ça se reproduise pas dans le chat quoi. J'allais leur mettre une raclée quand je me suis rendu compte que je t'avais passé ma dernière super potion. Alors je me suis enfui mais ils m'ont suivi jusqu'ici. Sista, ils sont lâches. Car c'est des culs. Mon nom à moi c'est Apocine, ok. Je roule pour la Team Skulls, moi, leur admin, wesh. Et moi, je suis toujours content, toujours très content. C'est toi, Sun. Je vois, t'as l'air de la voir dans le vent, wesh. Quoi? Hein? Sista, faites quoi? Vous prenez pas votre revanche, wesh. Nous laisse pas béton, Sista. On s'est déjà fait rétamer une fois, pas deux. Petit sourire. Silence, je m'occupe de son cas.
Il va voir ce que je réserve à ceux qui osent maltraiter mes lascars. Toujours très tout sourire, hein, pas de stress. Oh, c'est pas de stress. Lui, c'est Rastaman, les gars. Dans le let's play que je ferai, ce sera Rastaman direct. J'ai fait en sorte que tu puisses utiliser la force Z de Pikachu, mais fais gaffe, tu peux y faire appel qu'une fois par combat. Le Shuriken d'Amphinobi ou la force Z de Pikachu, à toi de choisir ton arme pour remporter la victoire. Ok. Apocine, mais oui, Apocine. Yeah. Tsk. Tu ferais mieux de lui apprendre à perdre avec dignité. Parce qu'il n'est pas, il est pas encore né celui qui me battra avec la force Z. Ok. Alors Pokémon, vous avez vu les dégâts de la série pour Pokémon Sun and Moon? Ah bah ça c'est question de goût. J'aimerais la bourre, ma vidéo de demain n'était pas prête. Ah oui, j'avais vu Christophe. Apocine, l'admin Team Skull veut se battre. Un seul Pokémon. Nosferalto, ok. Est-ce qu'on lit Pikachu? Oui. Parfait. Encore un cri différent pour Pikachu. Ok. Bon, du coup... Donc Force Z, ça... Ah, ok, ça rend... Ok. Ok. Donc si je reviens... Ok. Et comme j'ai un cristal Z électrique, je ne peux remplacer qu'une capacité électrique. La capacité électrique que je remplace... sera physique ou spé en fonction du move que je remplace. Et sa puissance dépendra également du move que je remplace. Voilà, j'espère que c'est clair. Si je fais LA... 175 ! La puissance varie selon celle de la capacité originale. 175 ! La musique est grave stylée. Ok, bon, on y va. Première capacité Z. Ok. Est-ce qu'il va danser avec ses petits bras ? Même pas. Déploie toute la puissance de sa force Z. Fulguro lance Gigavolt. Ok. Nice. On se croirait dans Dark Souls. Bon, c'est un OKO, je pense. Hein. Là, il n'y a pas trop de soucis à se faire. Très bien. A des goûts différents, faut avouer que les dessins sont vraiment. Question de goût. Quand t'as un Amphinobi qui possède une transformation plus puissante qu'une méga évolution. Ok, je m'avoue vaincu. Je remporte 4320 Pokédollars, c'était cool. Tu t'appelles Sun, c'est ça? Je t'ai sous-estimé. Mais ce n'est que partie remise. La prochaine fois que je croise ta route, je te ferai pas de cadeau. C'est ça qu'elles font, ouais. Oh, excuse-moi! T'es nouveau à Lola, ça! Tu connais pas encore cette sistache! C'est sa manière à elle de te montrer son respect! Sista, attendez-nous, ne laissez pas avec eux! Alors, sûrement des capacités qui dépendront pas du move original. Oui, genre les. Les capacités Z. Enfin, spécifiques à un Pokémon en gros. Eh bien, ça, c'était un combat qui envoyait du lourd. Tu peux remercier encore Pikachu de t'avoir aidé pendant l'épreuve. Ah, il est déjà sur ma tête sans pression, quoi. Pikachu, retourne auprès du professeur, mais non, il est sur ma tête. Sen, t'es franchement trop balèze! Tu l'as dit, Tilly! Ton pote a su optimiser les capacités de ses Pokémon. Sun, tu es sur la bonne voie pour devenir un dresseur hors pair. Moi aussi, je vais m'entraîner à fond pour devenir un super dresseur. C'est beau la fougue de la jeunesse. Et pour progresser, rien de tel que le tour des îles. Bon, maintenant que t'as fini ton épreuve, je vais te montrer une boutique sans sas. Malassa Délice. Malassa, Malaza, Délice. Bonne idée, j'ai pas eu le temps de lire. Trop cool, venez, viens, on va aussi inviter ta maman. Il veut pécho ma mère. On va s'en mettre plein la panse, yeah. Bon, c'est parti. Puis Euphorb était mort de rire. Sauvegarde, ok, parti sauvegarder. Vague d'équipe full shiny incoming. Oh, oh, oh. J'étais pas prêt. Nice. Ah, Alexia! Oula, lui on connaît pas. Ok, là on a vu une championne de la ligue, je pense. Pas de la ligue, non, pas de la ligue, mais d'une île. Ok. Ok. Encore plus d'aventures vous attendent dans la version complète, mais bien sûr. Et encore des trucs à faire ou ça finit là, les amis? Plus je déconne de fou, je suis trop deg. Ah, The Young! Disponible en novembre 2016. Vous savez, ils sont pas mouillés du coup. Ok. Pas de soucis. Sur la fiesta banana tout le week-end et la démo aujourd'hui, j'étais à la bourre.
Ah oui, non, mais c'était terrible. Alors. Ok. Cette exclusive aux Pokémon ont besoin d'un move particulier. On parle de Giga Impact pour Ronflex. Ah, c'est possible. Seven, laisse-moi te féliciter à nouveau d'avoir remporté l'épreuve. Tiens, je te donne un appareil bien cool qui va te permettre de monter sur des Pokémon. Ah oui, donc il y a encore pas mal de trucs à faire en fait. Live lag de fou, je vous dis à la prochaine. À la prochaine, Bulzarbi. Ouais, ça venait pas de moi les lags. Hein. L'appel monture, ok. Et ouais, les habitants d'Alola utilisent aussi les Pokémon comme monture. Voici pour toi, un Pokémon robuste qui peut foncer à toute allure et démolir les rochers sur son passage. Tauros, ok. Je spoil ou pas? Alors, si tu spoil, t'es Théo, et si tu spoil vraiment méchamment, t'es banni de la chaîne, Kenzo. À toi de voir. Il y a un petit truc après. Ok. Bouge pas, je te lis le manuel. Bouton Y pour allumer l'appel monture, bouton B pour faire charger le Tauros, et avec ça, la tenue réglementaire. Tu vas voir avec Tauros un monde nouveau s'ouvre à toi. Donc j'imagine que c'est les gros rochers qu'on a vu tout à l'heure. Enfourche la bête et fonce à la colline d'Ikara, elle te réserve des surprises. Quant à moi, je reste au centre Pokémon, n'hésite pas si t'as besoin de moi. Ok. Truc à faire encore, c'est pas la fin, y'a d'autres trucs. Ok, presque rien. Ok, ok. Donc là en fait on a Nintendo eShop, donc pour aller sur eShop directement pour revoir la vidéo, ok. Ok, ok, on a toujours Amphinobi sur nous, c'est le seul Pokémon qu'on a, ok. J'aime pas spoil. Mais moi non plus, c'est pour ça que si tu le fais, tu seras banni. Comme je l'ai expliqué au début du live. Ok, donc ici on n'a pas d'intérêt, lui. J'ai encore tellement de coins super à rentrer, je sais pas par où commencer. Ah oui, du coup tu me montres rien, ok. Du fait, on est d'accord que là le seul truc. Mais il voulait pas montrer Malakassa, je sais pas quoi là. C'était pas. Un petit camion. Il y a Mew dedans ou pas? Lol. C'est quoi ça? On peut pas rentrer. J'ai tellement un Pokémon que je peux m'empêcher de le brosser tous les jours. Mais brosse, vas-y, je t'en prie. C'est assez. Enfin, je. Faut prendre l'habitude, mais. Oh, bonjour. Oh, mais c'est mon petit poussin! Il y avait des soldats à Alola Mode. Maman n'a pas pu résister. Un petit haut par-ci, une belle jupe par-là. Je n'ai même pas eu le temps de tout essayer, que c'était déjà l'heure de la fermeture. J'ai acheté tellement de vêtements que j'ai dû tout faire livrer à la maison. Tu seras un amour et tu m'aideras à tout ranger, hein. Allez, on a un fils sympa. J'aurais bien demandé à Miaous, mais il déchirerait tout avec ses petites griffes. Bah oui, il y a Miaous sous le camion, bah oui. Toi, tu es un gentil garçon. Toujours prêt à aider sa maman chérie. En attendant, amuse-toi bien, à tout à l'heure. Allez, salut! Salut! Je reviendrai jamais! Dis-moi, le Pokémon qui t'accompagne, c'est un Amphinobi, n'est-ce pas? Tu en as de la chance, on va voir un moment là. Et ouais, t'es jalouse. Tu transpires la jalousie. Là aussi, il y a un Mew. Il y a deux Mew, les gars. Tu connais Kylie? Non, c'est une golfeuse d'élite originaire d'Alola. Golfeuse d'élite. Et c'est aussi une dresseuse émérite. En ce moment, elle est partie en voyage, mais je suis persuadé qu'elle sera bientôt de retour. Ok. Ok, ok, donc là on a fait le tour de cette rue. Qu'est-ce qu'il y a ici? Alors là, quand les enfants atteignent l'âge de 11 ans, ils font ce qu'on appelle le tour des hippies. 11 ans quoi. Bonjour. Tu vois quoi? Que des quadrilles qui ont posé un. Ok, on fout. Il fait trop chaud dehors. Alors je me suis réfugié ici pour profiter de la clim. On a un petit, je sais plus là, c'est Météno, là j'ai oublié le nom. Pokémon qui fait sortir un truc de son corps. Une charmante demoiselle. On raconte que chacune des quatre îles d'Alola est protégée par un Pokémon grandiose, que les gens considèrent comme une divinité. Ok, là on a un petit écran. Si je clique dessus, t'es accroche au mur, diffuse des pubs. Ouais, Alola. Arpenter les montagnes d'Alola avec le grand Lothar le montagnard. Ah oui, là, oui, oui, c'était un chant en Suisse que je ne saurais pas faire. Suisse. Ouch, ta monture, cousin. Oh ouais, je vais y aller. Teste ta monture. Ah, je peux la tester en ville. Ah, genre. Ah, genre en ville, quoi. Allez, Ramolos résiste, quoi. Mais si je veux descendre. Ok, je peux parler au Ramolos? Ok, très bien. Vite! Expulse organe, un talent très classe. Oui, oui, bien sûr. Un prolapse vivant, ce Pokémon. Tapez pas prolapse sur Google, évidemment. Ah oui, oui, bah, ça va plus vite que le vélo, hein, au final. Oh, on peut parler aux gens. Une personne fort sympathique m'a aidé alors que je m'étais foulé la cheville. C'était vraiment le parfait gentleman. Le rendez-vous ici dans 5 jours. Alors oui, ça, j'ai vu sur internet, il y a pas mal d'événements temporels qui sont annoncés dans le jeu. Donc par exemple dans 5 jours, dans une semaine, dans autant de temps. Et a priori, si on revient dans le jeu, peut-être qu'on aura des objets supplémentaires, des quêtes supplémentaires.
Donc il ne faudra pas manquer ces rendez-vous-là, les amis. Tu me diras si je suis un peu en avance, mais je suis tellement impatient de le voir. Il y a forcément des événements, mec. Mec, les gens, les amis. De bien te labourer le coccyx, le taureau, ça, tellement. Tu peux ouvrir les petites grilles rouges. Je vais voir. Je vais voir. Les petites grilles rouges, genre ça, là. Ah ouais. Et pourquoi faire? Pour rencontrer des Pokémon, en fait. Simplement. Ah, ok. Picasso. Ah, Picasso. Ah, j'ai la tenue en combat, quoi. Magnifique. Magnifique. Quel beau gosse. Pour aller repiquer. C'est le moins intéressant, mais... Go. Que ça au chaos. Tout dans un mur du trailer, là, où il est montré le Pokéscope. Hein? Deux secondes, les amis. J'arrive. Je fais le tour de la ville et on va partir là-haut. Tout ça, on a vu... Là, on a vu une barrière. C'est des genres de raccourcis, en fait, je comprends pas. Je vois à quoi ça sert, en fait. Ok, là, il y a un autre coco. Pas du tout. Pas du tout. Ok. Par contre, ici... Il y a un truc à faire là-dedans, non? Non, pas toi! Nous mettons les bouchées doubles pour régaler nos clients avec nos malassamus. Petit Momo, prends ton temps. Ah, prends ton temps surtout. Mais je voulais pas sortir! C'est pour rencontrer Pokémon Sauvage en ville. Oui, ça, je me doute. Merci, les amis. Allez bouger comme ils disent, je suis d'accord, manger des malassadas et bouger jusqu'au comptoir pour en commander d'autres, c'est tellement bon. Pas de soucis Miyazaki. Les le coco à l'enterrer dans le sol. Un petit gamin. Bonjour. C'est que du bonheur, ça croustille à l'extérieur. Ah ma cogneur. Oh chut. Lui aussi construit un bâtiment comme dans... Comme en 1G. Les bons souvenirs. Ici c'est quoi? Pokémon par la main ou une autre partie du corps. Vous avez vu cette phrase ou pas? Sécurité, hein. Ah, encore un Mew ici, évidemment. Encore un Mew. Nostalgie. Mais oui, nostalgie. Que cherches-tu exactement? Un policier qui a du flair ou son partenaire? C'est quoi cette statue grognon de cette poupée grand bulle qui a fait... Et pourquoi il est bleu comme ça? Ok, des clés ici, je sais pas, c'est pas... Le flic quoi, non mais tellement... Je veux de l'eau! De l'eau! 52 minutes, waouh! Waouh. On a tous pensé à la même chose, non. Ekaka port, ok. J'ai archipel isolé à plusieurs... Ok. J'imagine qu'on pourra rentrer dans ce bâtiment ici. Ok, là il n'y a plus rien à faire. J'essaie de faire vite, les amis, hein, de pas perdre trop de temps. Grumble bleu. Un Grumble confirmé. Bah ouais, mais il est pas bleu normalement, il est rose. C'est quoi, dans 24 jours je vais prendre le bateau. Voilà, c'est ce que je vous disais. Rassurez-moi si tu pouvais venir me dire. Oui, pourquoi pas. 24 jours. Je suis super content, t'as dans 24 jours alors. Ok. Ah, on peut parler avec plus d'une case de décalage. C'est bon à savoir. Ok. Ok, on avance. Pas cogneur. Et donc lui, on va quand même lui parler. Besoin d'apprendre à voler ou à nager grâce au ferry, tout le monde peut voyager. Très bien. Ok. On va retourner du coup. Apparemment là-bas, il y a une dame que je n'ai pas vue. Il n'y avait pas un chemin là. Ouais, voilà. 18 jours. Ah, ça, je vais passer tout seul. Il y a masse événements. Hein. Mon petit holo d'amour pour la troisième fois, la dame à gauche derrière Molos. Oui, je vais y aller. C'est qui lui? Quand je vois le reflet du soleil sur la mer, je pense à cette nouvelle journée qui commence. Quand c'est la lune qui m'envoie sur l'eau, je songe avec nostalgie au jour qui s'achève. C'est beau. Hashtag c'est beau. Pas en parlant à la fille à gauche. Oui, je sais, j'arrive les amis. Je sais, je vous ai dit, j'arrive. J'ai remarqué qu'on pouvait plus s'asseoir. Oui, c'est ce que j'ai vu aussi sur le net. Des gens me l'ont confirmé.
Est-ce que j'ai fait un grand tour pour rien? Peut-être. À gauche. Celle-ci donc. Je peux t'emmener dans un endroit incroyable. On peut y créer des liens très forts avec son Pokémon. Oui. Super, ferme les yeux et on y va. Ok, c'est parti. Qu'est-ce que c'est? Oh, qu'est-ce que c'est? Sortir de Mahalo. Ok. Mais il y avait rien à faire sur l'autre route? Vise un peu tous ces rochers qui bloquent le passage. La route où on a été là au tout début. Tu peux appeler un Tauros à la rescousse, n'est-ce pas? Alors, fais le charger en appuyant sur le bouton B. Ok, bah c'est ce qu'on va faire. Ça semble être une bonne idée. Tu m'as l'air de bien t'entendre avec ton Tauros, ma foi. Un vieux dégarni, caché derrière une pierre. Et ça dans les mains aussi. Ah oui? Ah, mais toutes mes excuses, je me suis pas présenté. Je m'appelle l'énigmatique. J'ai un cadeau parfait pour les jeunes comme toi qui réduisent les rochers en poussière. Ouais, désormais envoyé. Ah, 3 poussières étoiles. Ok, vers la version complète du jeu. On va demander au professeur Euphor dans son Pokémon. Ok. Professeur d'étoiles, de l'énigme, ton monde devient plus joli. Sur ce, je m'éclipse. N'essaie pas de retrouver l'énigmatique, c'est un conseil. Ok. Je suis déçu de la démo. Ah, moi pour l'instant, ça va, je suis grave content. Oui, n'hésitez pas à répondre à la question, hein, du coup, qui sont au-dessus de ma tête, les amis. Donc là, c'était moi, Game. Bonsoir à toi, moi, Game. N'hésite pas à cliquer sur le bouton suivre, ce que tu vois te plaît, en tout cas. Et n'hésitez pas, en tout cas, les amis, à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Tout est en dessous du player. Et pour YouTube, c'est dans la description. Hop. N'hésitez pas. C'est grave stylé, c'est grave stylé. Jacques de fou. Ah, c'est pas moi. Malheureusement, tu retournes à Eka, oui. Dans ce cas, ferme les yeux, on y va. Parfait. Moi, la démo m'a fait pleurer. Comment ça, The Young? Peut-être des choses que je n'ai pas encore vues. Du coup, on va aller là-bas. Et salut, Sharklast, bonsoir à toi. Merci de rejoindre le live. Et oh moustillon, tu mets les voiles? Oui. Ok, donc a priori on va pouvoir passer par là maintenant. Tiens petit gars, ça te plaît de participer à un défi de capture? Ok oui. Je connais la fougue de la jeunesse, les règles sont simples. Tu dois capturer un maximum de Pokémon avec un nombre limité de Pokémon. Tu pourras mettre les Pokémon que tu auras attrapés dans ton équipe, ils te seront utiles pour en capturer d'autres. A propos, pendant le défi de capture, il est impossible de quitter cet endroit. Quand ton Pokémon est capturé, tu seras gentil de les relâcher dans les hautes herbes. A la fin du défi, quand tu seras court de Pokémon ou que tu voudras simplement quitter le défi, viens donc me voir sur ce. Tu donc. Oui. Tu m'envoies ravi, voici les Pokémon que tu as besoin. Avec Nintendo qui a parlé de testeurs à un event preview, les CS sont bel et bien mortes. Mais non, mais c'est sûr, on a une poche CCT. Sinon, ce serait poche capsule. Ou c'était CS comme c'était avant en fait, simplement. Donc la vidéo va faire bien plus d'une heure du coup. Moi je l'ai trouvé très bien, elle m'a donné envie de jouer. Bah moi pour l'instant je suis grave content. Euphorb. Yo man, alors comment ça? Alors comme ça tu tentes le défi de capture? Je suis sûr j'ai nul à chier, je sais pas. J'ai envie d'avoir le jeu complet. Et moi aussi tellement. Et du coup n'hésite pas à expliquer un petit peu plus moi Game pourquoi tu n'aimes pas le jeu. Salut Vodcorn, bonsoir à toi mec. On est une vingtaine sur le live, je crois. Ouais, tout à l'heure on était 24-25, c'est grave cool, merci à vous. C'est cool, la capture des Pokémon sauvages, c'est la base que toute la sœur doit maîtriser. Je vais te faire une petite démo spéciale. Vise l'artiste. Attention, j'ai peur. Le live mieux pour moi, c'est normal. C'est ta connexion, Vodcorn. Petit Pikachu, on va voir Euphorb jeter sa Pokéball. Oh, c'est bon. Un petit Rocabo. À niveau 30 quand même. Ah, c'est grave stylé. C'est grave stylé. Picor. Il m'a fallu un Pokémon pour relancer ta Pokéball. Oui, très bien. Life marche nickel. Merci à toi, l'épidémie. Oui, enfin, merci. Oui. 50. J'aurais tellement adoré voir Euphorb se rater lamentablement. Ça aurait été magnifique. Pour pas garder les Pokémon. Après, tu pouvais pas les transférer de toute façon, donc ça changerait pas grand chose, je pense.
Incroyable, il l'a capturé. C'est fou quand même. C'est pas ça la démo, je la vois comme un calmant pour attendre la sortie de la version complète. Ça a un effet, ça a eu l'effet contraire cette version, mais encore plus impatiente. Alors que celle de Rosa en y jouant, j'étais moins pressé pour la version. Ah mais justement, alors c'est que ça a marché. Hop. Moi j'aime bien Euphor, mais oui Euphor, mais il est marrant. Les Pokémon sauvages ont tendance à attaquer les gens qui s'égarent dans les hautes herbes. Mais une fois que tu les as attrapés, ils deviennent de fidèles compagnons. Bon, c'est bavardé. Maintenant c'est à toi. Montre-moi de quoi tu es capable. Est-ce qu'on a une récompense différente en fonction du nombre de Pokémon qu'on capture ou pas du tout? C'est parti mon kiki. Ok. Allez, le premier pas. Qu'est-ce? Ok, Rokaba. Rokaba. Non, c'est comment marche l'attaque Z, et l'attaque Z faut la jouer avec élégance pour lui augmenter sa puissance de fou au Pikachu, clairement. Écoutez, on va faire un tranche nuit, ça ne tuera pas, je pense. Bonne soirée à tous, je regarde la suite sur YouTube. Pas de soucis, Kadar, bonne soirée à toi, merci d'être passé, mec. Ok, je l'ai décimé. Il est bondé sur tous, ça vient. Les canons. Bah, élégance et les canons. Ah oui, je le disais bien. Mais c'est pas les canons, hein, l'attaque, attention, hein. Pas du tout, hein. 175 de dégâts bruts, c'est clairement pas les canons, hein. Tu captures le Pokémon, meilleur sera ta récompense solo. Ok. J'ai pas regardé combien de balles j'avais. J'imagine que je dois en avoir 5. Manglouton, ok. Après, si je les bute tous, ça va être compliqué, hein. Je suis en train de télécharger la démo. Ah bah, nice broken. Et bonsoir à toi, du coup. Merci de rejoindre le live, mec. J'espère que tu vas bien depuis la dernière fois. Je vais repiquer. Ça fait tellement de dégâts. On gagne une pépite d'après les souvenirs. Oui, c'est ce qu'il me semble avoir vu. Hein. Attention au spoil, les amis. Ça va, ça c'est pas trop grave. Ah bon, on a masse ball en fait. Enfin, c'est. Ah, hein. Mais j'ai pas capturé. Va vraiment falloir que je capture 20 Pokémon là. Coco, tu captures à gauche de la plaine d'Ikara. C'est ça. Oh, Glouton est attrapé! Ok. Ah oui, on a pas le dex du coup. Ce menu de combat. Eh oui! Edouard, bravo, continue comme ça, petit gars! Ah, parce que là, si j'en capture 20, ça va être pénible pour YouTube. Ah, ok, j'avais pas compris ce que tu disais, moi, game. Ok. Direct dans le jeu. Qu'est-ce que j'ai fait? Habitude de cliquer au milieu. Bon, on va aéropiquer, on a vu que ça marchait. Hein. Enfin, ça devrait marcher. Ouais, je pourrais en faire deux. Et on va vraiment capturer 20 Pokémon, ça va être très long. Hein. Et j'aurais bien dit, on retrouve YouTube plus tard, mais je peux pas faire de jump cut avec OBS, donc. Ok. J'ai pire. Moi, je bug pas perso. Ah, si vous buguez, c'est votre connexion, les amis. Malheureusement, je peux pas faire grand chose. Ah, le menu est cool. Ah, il est ressorti! Capte-toi, je te le dis, capte-toi direct. Allez! Les animations sont grave cool aussi, hein. J'aurais pas parlé des animations de la capture. Rentre! Pas besoin de capturer 20. Ok, ok. Du coup, je vais repartir juste après ce combat là. Et au pire des cas, je continuerai. Je vais quand même aller chier. Parce que s'il y a un truc de plus que je puisse au moins dire à YouTube. La 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 la. Alors apparemment il y a que Pikachu, Rokabo et Manglouton qui sont disponibles. Car arrivé à la fin, le Pokémon capturé ainsi que les Pokémon en extra doivent être remis à l'accueil. Cependant, le guide vous offre une récompense
fonction de votre performance. C'est votre chill pour être... Ah, ok. En fait, oui. Peu importe la performance, on récupère une pépite apparemment. Donc on va sortir et au pire des cas, j'irai le refaire. Si on a besoin de faire 20 quelque chose... 20... Si on a besoin de faire 20 captures pour avoir un truc supplémentaire dans le jeu, je le ferai plus tard. Mais je ne pense pas. On retourne les Pokémon que tu as capturés. Hein? Draper plus, utilise ceux que tu as capturés. Récupérer les Pokéballs qui ne t'ont pas servi. C'est vrai qu'en fait j'aurais peut-être pu regarder. Est-ce qu'on peut voir les stats des Pokémon qu'on a capturés? Je pense qu'on aurait pu. Mais bon, c'est pas grave, ça vous pouvez le voir chez vous au pire des cas. Pokémon dans l'autre herbe, ok. N'hésite pas à revenir pour relever de nouveau le défi de capture. Ok. Et donc après, a priori après. Ah par contre j'ai pas obtenu une récompense là. Pikachu dans le truc. Juste la démo mais je regardais en même temps. Pas de soucis, pas de soucis. Pas de soucis Valopo. Par contre j'ai pas eu de pépite les gars. Ou alors je l'ai pas vu passer. C'est possible que je l'ai pas vu passer. Bon on sac. La musique est grave cool, la musique est grave stylée. Brasse les Z. Volta Zélite. Et salut Metadarkos, bonsoir à toi. N'hésite pas à cliquer sur le bouton suisse que tu vois te plaît bien sûr. T'étais rabaissé pour faciliter le jeu. D'accord. Si on pouvait garder Rocabo en tryhardant les herbes pour le faire évoluer. J'avoue. Mais du coup, il faut en chauffer plus de 2. Donc 3. Bon, écoutez, on va le faire. Heureusement que j'ai demandé si c'était ok. On va capturer toi, on va récupérer la pépite en live. Tant pis, la VOD sera un tout petit peu plus longue. C'est dommage, si j'avais su. Puis comme ça, on va pouvoir avoir l'écran peut-être d'autres Pokémon. C'est quand même con que je me sois arrêté à 2 alors que c'était 3. C'est terrible. Au moins ce sera fait, j'aurai pas besoin de revenir dessus sur cette console là. Ok, donc on a Pikachu du coup en face. Je pense que tout le tue. Je pense que même si j'éternue, ça le tue. Final démo, c'est dommage qu'on peut pas garder les Pokémon sauvages qu'on trouve. Et oui. Et voilà, c'est ce que j'avais dit. Hein. Même si j'éternue, je le tue donc. Total, il y en a 4. On finit ça tranquillement les amis, et on pourra couper la VOD. Bah du coup Pikachu en fait je peux pas le capturer, j'ai rien pour l'affaiblir. Ou alors je lance une balle direct dans sa face. Comme tout. Pourquoi c'était les soins balles en premier? Pikachu dans la ville. Apparemment il y a Pikachu dans la ville. Je l'ai pas vu. Pika. Ah ce dégât, on va fuir. Vagant un jet de l'évolution du starter qui bloquait la progression. Ah oui, a déjà été une bonne leçon pour Game Freaks. L'évolution dans la démo, bah on peut pas savoir puisqu'on peut pas entraîner les Pokémon. J'ai Kassan qui dit Fouinette. As-tu eu ton Fouinette Shiny, j'ai des Kassan? Est-ce que c'est ce que tu nous dis? Si je pouvais faire un jump cut sur OBS, ce serait grave cool. Je ne peux pas. Coup de boue, ok. Bon, ça a vraiment pas fait beaucoup de dégâts. L'animation d'augmentation et de diminution de stats est grave cool aussi. On voit ici du coup. Ouais, on le voit, synergie. Ok. On va envoyer une Pokéball. J'ai une question, que pensez-vous des dernières formes d'Alola qui ont été révélées? Metadarkos, on ne spoil pas ce soir, donc on ne parlera pas des nouvelles formes Alola qui ont été révélées, puisqu'elles n'ont pas été révélées en fait. Ah, GG pour ton Fouinette Shiny, mec. GG à toi. E, nice. Allez. Pikachu, je peux pas l'affaiblir. Ah si, je peux l'affaiblir maintenant. Je peux l'affaiblir maintenant. Tac. Ok, donc là on voit les moves directement, c'est déjà mieux, hein, c'est déjà mieux pensé. Ok, l'animation de retour est stylée. Ok. Purée, bon, je vais mourir là. Ouais! Tellement de dégâts! Ils n'ont jamais existé, laissez-moi dans mon déni. Qu'est-ce que capturable ici? Sinon, on saurait pas la puissance de Gigavolt truc. Eh oui!
Pour choisir la Pokéball, tu peux appuyer sur Y pour aller plus vite. Ah, nice, ça c'est une bonne info. Merci à toi, Sacha. Je l'ai pas vu. C'est une bonne info à noter. En fait, je vais capturer 3 mangloutons, ça va être dégueulasse. Allez, au piqué. Donc, n'hésitez pas, du coup, pendant ce live YouTube et le chat, à me dire ce que vous avez pensé de la démo. Qu'est-ce que voilà, qu'est-ce que ça va susciter chez vous? Est-ce que vous trouvez ça stylé? Je vais appuyer sur le bouton Y pour voir. Ok. Ah, et on peut quand même changer. Ok, c'est cool. C'est cool. T'as quoi, il lance la balle, mais vénère quoi. Et là, s'ils gagnent un niveau, ils évoluent pas. Ah, oui, oui. Je vois ce que tu veux dire. J'ai aucun Pikachu, je l'ai seulement vu dans la ville. On gagne toujours de l'XP en capturant les Pokémon? On ne sait pas, apparemment non. Ou alors, c'est voulu que non. Donc là, on a deux, encore un. Qu'elle offre pas plus comme la démo de Rossa. Oh, c'est déjà pas mal, hein, on apprend pas mal de choses. En vrai, faut aussi se satisfaire de ce qu'on a et. Enfin, je pense, hein. Non, je pense qu'on a quand même pas mal de nouvelles infos, on découvre un peu les mécaniques du jeu, les graphismes, qui sont quand même beaucoup plus beaux que les versions précédentes. Même si c'est déjà très beau, je prends mon premier coup critique. Hein. Même si c'était déjà. Faut que j'apprenne l'habitude du coup d'appuyer sur Y. C'était déjà très beau sur XY et Rossa. Voilà, là c'est encore un cran dessus. Plus de gap. Plus d'expérience, mais on gagne de l'XP en capturant toujours. Ok. Il est marqué en haut à gauche, je l'ai contacté. Oui, 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 j'ai vu après. Merci à toi, Sacha. Ok. Il va me dire, hé, lol, tu te débrouilles pas trop mal, je suis fier de toi. Très bien. Et donc, d'autres Pokémon. Résumé, nature. Ok, donc là on voit que les IV sont immondes. Timide. Je pense pas que ce soit ce qu'il faut quand il est prognat. Là il a filature. Lorsque le Pokémon attaque une cible qui vient d'entrer sur le terrain, en remplacement d'un autre Pokémon, les dégâts infligés sont doublés. C'est quand même grave stylé comme talent ça. Filature aussi. On voit pas les IV en fait. Ou j'hallucine. Non, on les voit pas hein. Non. Par contre on voit les EV. Ok. Et prognat ici, lui il est prognat, donc il fait plus de dégâts avec les attaques à base de morsure. Allez je vous laisse, je vais finir ma vidéo, pas de soucis Chris, bon courage à toi. Hardy et rigide, j'en ai un rigide. Mais bon je vais devoir le mettre à la nature donc. Bonne soirée à toi et bon courage. La démo est chez Nilog je crois. Aucune idée. Il y a que 3 nouveaux Pokémon dans la démo. Aucune idée. Alors on peut déplacer avec Y directement, ok. Et sinon c'est avec X on peut rajouter un objet. Très bien. Très bien, très bien. Parfait. On va sortir. Ah oui. Parce que 3 Pokémon. C'est pas trop mal, continue mon petit gars, t'es sur la bonne voie. Pour te récompenser d'avoir attrapé plus de 2 Pokémon, je t'offre cette pépite. Bonjour, mes IV sont dégueulasses. Ok, Pokémon qui t'ont pas servi. Comme tout à l'heure. Bon, les Pokémon restantes. Et surtout, on n'oublie pas de relâcher les Pokémon dans la haute herbe. Ok. Parfait. On va aller voir parce que. Ah, mais y a des combats en plus. Ah, oui, y a encore des combats. Mince! Ok, je savais pas qu'il y avait encore des combats. Bon, du coup, continue rapidement. Hein. De toute façon, pour une ou deux minutes de plus, ça changera plus grand chose à la VOD. Allez, allez. S'il y a des nouveaux sur le chat, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton suivre si le live vous plaît, évidemment. Ça vous permettra de me rejoindre et de me soutenir, évidemment, dans mon parcours sur Twitch. Allez. Tape 4 fois, s'il te plaît. Merci. Parfait, ultrason. Allez! Par contre, les animations sont lentes, je trouve un peu. S'il y a un défaut que je dois trouver à ce qu'on voit à l'écran,
C'est... Ouais, les animations sont lentes, je trouve. La casquette bleue, une fois que tu as battu le dresseur restant. Ah, voilà, c'est ça. Eh, merci, Zoo Royal Chouchou. Merci à toi. Bon, lui, il a multicoup, 100%. Moi, Shuriken. S'il te plaît, fais-moi plaisir. Merci. Je vais vous montrer ce qu'elle fait. Je sais déjà, évidemment. Mais on va les voir. C'est pour ça que je suis reparti. Ah oui, synergie qui se déclenche, du coup, j'oublie tout le temps. Et bim! Source ou auto? Ça dépend de ta... Déjà, si tu peux changer... si tu peux changer la qualité... Vous pouvez changer la qualité sur mon live ou pas? Je sais pas si ça a été changé encore. Ah, si c'est de nouveau disponible. Je suis plus confus. C'est quand l'ennemi est dans le méga rouge et que tu le tues, la barre part à 2 à l'heure. Ah oui, bah ouais, ouais, c'est un peu chiant. Et au pire, ça va être égal, mon Pokémon est quand même le plus mignon. Ok. Ok, ok. On va se dépêcher. Alors, casquette bleue, mais elle est où aussi? Eh bien, on peut de nouveau plus, c'est vraiment chelou cette histoire. Ok, il y a encore un gars à battre ici. Ok, les moins formes en duo de choc et de charme. Ok, donc la VOD va faire vraiment 1h30 pour finir. Mais bon, au moins on aura tout couvert. Et puis ce sera cool, non, c'est cool, franchement, vraiment mon pied à jouer, vraiment. La démo est vraiment cool. Ma casquette est au début, ok. Ok, j'irai la voir juste après du coup. J'ai encore cliqué au milieu parce que j'ai trop l'habitude. Et je vais trancher lui, je pense. Allez, niveau 36. Oui, d'accord. Éclate rock, ok. Ah, l'animation est stylée. C'était super efficace. Ma défense baisse. Y'a quoi qui change? Est-ce que c'est mieux d'avoir un Amphinobi protéin? Ça dépend ce que tu veux en faire en combat, moi game. On sait pas encore trop tout ce que ça va impliquer. Après, je pense que Protéin restera au-dessus, je pense. Ouais, je pense que Protéin restera au-dessus. J'ai vu des VOD de la démo durer 2 heures. Ok, bon, ça va alors. Ça va, on est dans les temps. Essayer de faire voler Picasso. Bah, tu m'étonnes du coup. On va Shuriken. On va croire en Finobi. J'ai pas envie de me payer un sale retour au centre Pokémon par contre. 3 ça suffira, je pense. Ouais, parfait. Et l'un des meilleurs talents offensifs. Ouais, non, clairement. Protéin restera au-dessus. On dirait que votre jeu était meilleur, quel choc. Sauf si les stats de Mega Amphinobi, enfin d'Amphinobi, Sashanobi, le font devenir beaucoup plus puissant qu'en forme standard Protéin. Est-ce que Sashanobi change quelque chose à Amphinobi? Si oui, est-ce que c'est mieux que Protéin? On vient très... Ne spam pas tes messages dans le chat, hein, moi game. Attends qu'on te réponde parce qu'il y a un décalage hein, avec le stream. Celui aurait de meilleures stats que Mega Dracofeu X. Ça, j'ai pas l'info. Je peux pas vous dire. On cherche. Je rêve. Alors, comme ça, tu as remporté la victoire contre les trois dresseurs. C'est impressionnant. J'accorde donc un combat. Ça fait bien longtemps que je n'ai pas eu l'occasion de tout donner. Tiens-toi prêt. Oula, oula, oula. Ok, lui divine la top dresseuse veut se battre, qu'est-ce qu'il va avoir? Bébé Kai, ok. Il a plus 50 attaques, plus 50 attaques SP, plus 10 vitesses. Ah oui, c'est fort. Oui, c'est très très fort. On va... Tranche lui. Coup de boule. J'ai plus d'objets de soin moi en fait. Je fais le fanfaron mais... Heureux bêta. Vois toi. Ça va, j'ai pas trop droppé ce soir, c'est cool. Shuriken devient pété. Ouais non, Shuriken tape plus fort mais c'est loin d'être pété, ça tape 4-30 les gars. Eh, merci Meta Darkos. Eh bah, là qu'on en parle.
On va aller voir un peu les stats de Sacha Nobi. Est-ce qu'on peut voir les stats résumées? 135, 141, 137 au niveau 37. Je crois quand même que c'est pas mal. 3 secondes sur 30 secondes sans exagérer. Et ça c'est Taco, moi game. C'est Taco. Et moi je peux rien y faire malheureusement. Essayez de redémarrer soit ta box, soit de relancer le live un coup en faisant contrôle F5, mais malheureusement je pourrais pas faire grand chose. Oh, tranchu, ça va le décimer, niveau 42, mais. Ça va le décimer. Statique, évidemment. Évidemment. Bon, je vais pas prendre trop cher normalement. J'ai pris beaucoup trop cher. Je vais perdre, on est d'accord. Je vais perdre parce que j'ai pas gardé d'objectif sur moi. Oui. Sauf si Shuriken touche. Mais, comme c'est ma luck, ah, ça passe. Ah, c'est bon, ça passe. Décalage de sa région, bug pour 30 secondes. Rebug. Je n'oublierai jamais votre démonstration de puissance sur Instagram dans ma mémoire. Ok. Plus puissance potentielle de 150. Oui. Oui, potentiel. Potentiel. Sinon tu fais 60. C'est quand même moins glamour. Et pas tant splendide, tout mon talent n'a pas suffi pour te vaincre. Je suis fier d'avoir rencontré un dresseur tel que toi. Ton excellence brille comme une étoile au firmament. Je pense repenser comme il se doit. Envoyer un morceau d'étoile, ok. Regarde en cours. Ok. Il y aura beaucoup d'autres dresseurs aussi tenaces que moi. Mais j'ai l'intime conviction que tes Pokémon et toi n'en ferez qu'une bouchée. Une bouchée. On va aller J'aimerais aller me soigner. Faut compter les EV. Oui, mais en EV, j'ai que dalle, les gars. J'ai fait quoi? J'ai fait 10 combats. Ça donne une idée globale. Je vous dis pas qu'on aura les stats pile. Voilà, je pense que c'est pas dur de retrouver combien de EV j'ai gagné. Hein. J'en ai gagné très très peu au final, je pense qu'il y a une différence de 1 point ou 2. Oui, merci. On va aller faire un tour sur la plage. Et on éteindra... on coupera la VOD. Ensuite. T'as récupéré les morceaux d'étoiles de l'énigme. Oui, l'énigmatique, oui je l'ai fait. Très bien. Hop. Grave stylé. C'est grave stylé. Ouais, vu que j'aime assez l'ambiance d'ici. Pas de soucis, moi, game. Par contre, attention au spam dans le chat, hein. Attention. Eh, merci à toi, moi, game. Wouh. Bienvenue parmi nous, du coup. Bienvenue, bienvenue. N'y a-t-il personne par ici? Ok, on peut plus passer. La lutte traditionnelle Alola, c'est rarissime. On se rend compte de la chance qu'on a de voir ça. Ah oui, c'est magnifique. C'est magnifique, c'est pas ce que je cherchais mais très bien. Donc, on ne le verra pas a priori. Hop. A priori c'est pas ici. Parce qu'en fait il y a un endroit où on pouvait voir une nouvelle forme Alola. Et je ne trouve pas cet endroit, donc je pense que ça va être un tant pis. Parce que j'ai pas envie de prendre 3 ans pour faire ça. À moins que quelqu'un puisse me dire là de suite où est-ce qu'on peut trouver ça. Poser une question à tout le monde et recevoir une réponse en MP. Je ne sais pas, Meta Darkos. Ouais, apparemment le NPC je sais qu'il fallait le faire apparaître mais c'est peut-être en fonction, il y a peut-être une heure en particulier. Voilà, mais dans tous les cas je pense que vous l'aurez vu sur d'autres streams de toute façon. Il est pas en random apparemment. Ok, je vais aller revoir un coup et s'il y est pas, oh, tant pis. Peut-être qu'il y a une chance de le faire spawn à chaque fois. Le traditionnel la plus passive de tous les temps, j'avoue. On verra d'ici hein. Ah oui, ça dépend de la question, bien sûr. Non, le NPC n'est pas présent. Je crois qu'il est là, normalement. Genre là, quelque part.
Voilà, si jamais les amis, voilà, n'hésitez pas à revenir un coup de temps en temps, peut-être que vous trouverez et vous pourrez voir cette nouvelle forme Alola qui vous sera présentée. Donc voilà, nous on n'aura pas la chance de la voir sur le stream et j'ai pas envie que la vidéo dure plus longtemps, ça fait déjà 1h24 qu'on est ensemble les potos. Donc voilà, je vais couper ici la VOD, donc n'hésitez pas encore une fois YouTube à répondre à la question qui se trouve au-dessus de ma tête, qu'est-ce que vous avez pensé de cette démo. J'espère en tout cas que j'aurai su vous la faire apprécier. Voilà, vous l'aurez vécu dans le feu du live, donc sans coupure, sans montage, ni rien. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié simplement. Et bah comme d'habitude, on va se retrouver sur d'autres vidéos. Donc si vous avez apprécié celle-ci, n'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus. Si vous avez la hype aussi pour Sun Moon, n'hésitez pas à me suivre, puisque je vais streamer du Sun Moon et le poster sur YouTube quand ça sortira. Si vous n'avez pas apprécié, dans ce cas-là, un pouce noir, mais expliquez-moi pourquoi en commentaire, comme ça je pourrais m'améliorer. Comme d'habitude les amis, on se retrouve dans une prochaine vidéo sur d'autres séries. Et d'ici là, prenez soin de vous. Salut les amis, salut YouTube.